Allez, bonsoir à tous, comment vous allez bien les gens? J'espère que vous avez la forme ce soir, c'est tranquille ou skilou. Alors, est-ce qu'on est en live? Est-ce que j'ai pas repris trop tôt là? Non, c'est bon. C'est bon, nickel. On est opérationnel. Totalement opérationnel. Alex, Alex, tu veux stream quoi, mon skillou d'amour? Eh bien, je vais stream. Comme c'est un tranquillou skillou, ce sera du FPS pépère. Donc là, je vais me remettre un petit peu sur Contagion. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, on va dire. Je vais me remettre un petit peu sur Contagion, sur la première heure, peinard. Et puis après, ben on verra. Pardon. On verra ce qu'on fait sur la deuxième heure. Si vous avez un FPS que vous voulez jouer avec moi, je sais pas. Voilà, si vous voulez qu'on joue ensemble, dites-le moi sur IRC, hein, Dièse Millennium 3. On essayera de se faire ça sur un FPS. Hein, j'ai quasiment tous les FPS du genre. Donc voilà, n'hésitez pas pour la deuxième heure. Comme ça, on pourra jouer ensemble. C'est prévu pour ce tranquillou skilou. Ça va, Alex? Ça va. Moi, ça va. Je suis bien. Je passe une bonne journée, c'est nickel. Donc voilà, plutôt motivé. Même s'il faisait un temps de chiottes, vrai temps de chiottes. Non, plutôt tranquille. J'espère que vous, par contre, ça va très bien. Voilà. Alors, je vais me lancer parce que j'étais en train de faire le refresh. Refresh des serveurs de Contagion. Donc Contagion, vous allez me dire, ouais mais c'est quoi Contagion pour ceux qui ne connaîtraient pas ou pour ceux qui n'auraient pas vu le skill ou pas que j'ai fait dessus. Je suis en train de regarder, j'ai plein de poussière sous mon clavier. Va falloir que je nettoie tout ça, un de ces quatre. Masse poussière. Ah c'est pas moi ton coup de cœur. Ah merde. Ah je te quitte alors. Ah sois pas déçu. Mais... Oula, oula, il se passe des choses là sur le serveur browser. Il se passe plein de choses là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va se faire donc Contagion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit jeu en bêta. Après accès sur Steam, Survival Horror, à la sauce Left 4 Dead, on va dire. Un petit peu, parce que bon, c'est pas trop ressemblant quand même. Parce que c'est vrai que. Enfin, ça y est ressemblant dans le fait où on peut utiliser aussi les zombies en fait. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Après, c'est pas aussi peut-être développé que Left 4 Dead à ce niveau-là. Alors j'ai essayé de chercher, voilà, UK, tac tac, pas mal de serveurs. Alors je suis désolé, je sais pas trop sur quel mode je vais parce que les noms des serveurs, et eh bien ouais, y a pas de. Je connais pas encore les maps et selon les maps, en fait, c'est un mode. La dernière fois, c'était hier soir, je crois d'ailleurs, ou cet après-midi, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Oui, je crois que c'était cet après-midi. J'avais fait du. J'avais fait des parties et en fait là c'est il fallait aller à rescue des gens dans des maisons. Donc vous allez dans une maison, vous avez des bots, il faut les défendre pendant un certain moment et après il faut aller faire un parcours pour aller dans une autre maison, chercher d'autres bots, etc. etc. Et ça c'est plutôt difficile. Et voilà, donc hop, on va passer sur la cam de jeu bien sûr. Ça sera toujours mieux pour vous. Allez, randomize. Alors, eux, ils se ressemblent un petit peu, mais bon. Allez, je vais prendre le papy security. Alors, je vais peut-être encore augmenter un petit peu la luminosité. Alors, c'est pas trop bien. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu dark et tout. Ça fait un peu plus peur. Mais c'est surtout pour vous, à vrai dire. Pour que vous y voyez clair un petit peu, parce que c'est vrai que c'est assez sombre. Donc là je spawn, donc là on va regarder, on est en deux zombies, donc je vais essayer de trouver vite fait une petite baraque. Alors là attention, il y a eu un mort sûrement. Oula, oula, ça tire pas loin. Alors je vais vous, pour ceux qui connaîtraient pas, je vais vous expliquer un petit peu le bordel. Là c'est vrai que j'ai sorti un téléphone de ma poche. Là, ça tire, ça tire. Il y a eu duel, il y a eu un mort.
Ça commence fort. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un nouveau truc que je ne connaissais pas. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Alors là, Pocket Light. Ouais, mais je l'utilise. D'accord. Donc Pocket Light. C'est bizarre parce que ça s'est allumé tout seul. C'est assez strange. Bon, on s'en bat les nets de cette Pocket Light. Hein. Allez, fusil à pompe. Donc vous avez vu un petit téléphone dans ma main. Et ce petit téléphone, en fait, dans certains modes de jeu, comme je vous ai dit, c'est pour savoir où sont les bots à rescue. Et là, par exemple, c'est... Ah ben là, voyez, il y a quelqu'un pas loin dans la maison. Et je lui fais sonner son téléphone. Vous l'entendez vibrer, il est juste à côté. Juste au-dessus, là. On est deux. Oula, oula. Donc les gens sont clairement pas loin. Je vais rester en fufu. Je pense qu'ils sont juste... Attends. Il est juste dehors, hein. Il doit être juste dehors en fait, monsieur. Je pense. Ouais, il y a de la troupe là. On va voir par où ça va. Il est là, il est là. Oh, je lui mets deux coups de pompe! Oh, damn! Ah, je lui mets deux gros coups de pompe et ça ne die pas. Je suis un petit peu déçu. Alors, est-ce que les trucs et tout ne gênent pas? Non, ça n'a pas l'air de trop gêner. Bon, alors maintenant que je suis un petit zombie, dites-moi hein, sur IRC s'il n'y a pas de problème de son. Si le son est pas trop fort, parce que c'est vrai que là le son du jeu est un petit peu fort. N'hésitez pas à me le dire si vous entendez tout bien. Donc ça doit être un collègue. Hein. Vu comment il court, ça doit être un collègue. Hop là, bah c'est fini, voilà. Mister Awin, il a réussi à faire son duel là contre Killer Tone. Alors lui il a 522 points, donc 926 points. Donc... Ça va, il envoie du lourd. C'est quoi le jeu, please? Alors, si tu regardes l'écran, juste là, je vais faire la Miss Météo, juste en haut là, hein, en haut là-bas, tout en haut, ça s'appelle Contagion. Marqué en haut à gauche. Hein. En haut à gauche de l'écran. Donc, Contagion, et c'est une early beta build révision qu'on peut trouver en access sur Steam. Voilà, et qui est plutôt pas mal. Wow, il m'a fait peur lui. Hop là. Alors lui il a pris son tarif le monsieur. Il aurait pas dû venir me voir. Alors lui il s'amuse, là il s'éclate depuis tout à l'heure. Walking on the roof. Yo Magix, yo Mugen, comment vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez la patate. Bon je vais rentrer dans la maison. Énormément de... Alors je crois qu'il y a, voilà, il y avait des... Ça je le savais pas mais il y a... Voilà, il y a... Vous avez... Ah mon téléphone sonne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un pas loin. Donc vous savez quoi? Je vais sortir mon tel. Je vais le faire sonner. Ah il est juste à côté hein. Monsieur est juste à côté. Donc on va voir comment ça se passe. T'as mangé cette fois-ci? Oui, cette fois-ci j'ai eu le temps de manger. Nani était en train de stream, donc tranquillement j'ai eu le temps de manger. C'est bizarre parce que même accroupi, on nous entend marcher et ça c'est assez relou. On se fait sonner les portables mutuellement et tout. C'est juste magique. Pas trop où il est. Je sais pas s'il est à l'étage ou s'il est juste. Ah, il est à l'étage. Il est à l'étage, le bougre. Comment je vais.
juste dans la pièce d'à côté. Il est juste dans la pièce d'à côté. C'est juste horrible comment on a juste. Ah, il me l'a mise. Ah, GG. Skillou, pourquoi tu mets pas. Tu me mets des vents où j'ai pas entendu. Mpadaga. Ah, ben non, mais je t'ai pas vu, c'est tout. Mpadaga, comment ça va, Mpadaga? Lol. Je te mets pas de vent du tout, c'est juste que je ne t'avais pas vu. J'avais juste vu la phrase de Monsieur Magix qui me demandait si j'avais mangé cette fois. Et oui, j'ai mangé cette fois-ci. Donc désolé Mpalaga, hein, excuse-moi, mais j'espère que tu vas bien en tout cas. Là, il y a du monde. On va y aller. En tout cas, le monsieur a très bien joué parce que il m'a mis deux balles, deux belles balles. Alors exactement, je sais pas en termes de life si une balle dans la tête. La dernière fois, j'avais pris une balle dans la tête, j'étais mort instant. Alors je sais pas si ça marche toujours ça. Je pense, hein, mais sachant que c'est assez dur quand même de viser. Allez, la vision nocturne du Zombraï. Oui et toi? Oui, moi ça va parfaitement bien. Que voulez-vous? Je suis en train de stream sur un super jeu avec un avec des gens super. Oh, lui il va mourir. Regarde, regardez, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Putain, je me suis cassé là. Oh, je me suis fait très mal. Oh, il a eu le temps de me tuer. Oh, je suis déçu, j'aurais pas dû descendre de la maison comme ça. Je me suis pété les jambes comme un tarde là. Même les zombies se font mal, hein. Donc voilà. Non, je suis pas une personne. Alors, est-ce qu'il y a un petit bruit d'armes là, s'il vous plaît, pour que je puisse avancer? Non, vous serez pas des gens bien, vous serez en train de dire ouais, mais c'est de la merde, ouais, blablabla. Vous êtes des gens bien, est-ce que vous parlez avec moi? Donc, non, non, je ne vous lèche pas quoi que ce soit. Alors, je sais pas du tout où ils sont. J'aimerais bien entendre. Salut Coraline, comment ça va Coraline? Enfin, non, ça va pas bien pour moi. J'ai acheté deux jeux 120 euros. J'ai encore mal au coucougnette. T'as encore mal au coucougnette? Oui, c'est sûr que deux jeux 120 euros. 60 et 60, je suppose. T'as acheté quoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que t'as acheté à ce prix-là. Oh, lui. Oh! Mais cours, Skilou! Il m'entend même pas! Il m'a pas vu, je crois. Attends, attends, je vais essayer le brain. Allez, saute, saute, zombie! Oh putain! Oh, il a du mal le truc! Allez, 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 allez! Allez, déplacement! Allez, déplacements, ils sont pas tip top. Quand vous êtes zombie, c'est pas la folie. Allez, je t'ai mangé. Mange tes coups de griffe. Ah, il doit être déçu. Mais il doit y en avoir un autre pas loin. Alors, très bien et toi? Ben moi ça va très bien Coraline. J'ai la patate, la forme, la pêche, la banane, la patate, la pêche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? La fraise, la poire, la pomme, je ne sais pas. Mais il y a un gars pas loin. J'entends un portable faire tilip. Sauf que là il y a plein de portes. Donc au final, ce qui est chiant, c'est que quand vous êtes zombie, vous pouvez pas vous déplacer à bon gré. Vous êtes obligé de casser les l'abricot aussi, oui bien sûr. Être obligé de casser les portes en fait. Et là je me suis un petit peu enfermé. Alors, Mpadaga qui dit j'ai acheté BF et Assassin's Creed 4. Pour l'instant j'adore Assassin's Creed 4. Ah bah, ah bah c'est quand même de bons jeux. Assassin's Creed 4, je suis pas super fan des Assassin's Creed. C'est des bons, très bons jeux, hein. C'est de très bons jeux, mais après bon.
Ouais, voilà, c'est des très bons jeux, ça s'arrête là. Après, moi, je suis pas un fan, quoi. C'est tout. Après, c'est clair que ça m'intéresse. Enfin, d'y jouer comme ça et tout, why not? D'ailleurs, je crois que j'avais acheté. Je sais pas si j'ai pas le 4 d'ailleurs. Non, pas le 4, j'ai celui avant. Hein. J'ai pas le 4. Alors, ça tire déjà, il y a déjà un mort. Donc, cette baraque, on peut pas y aller. Vite, vite, trouvons une maison. Ça, c'est le stress de la maison, quoi. Tu vois, il faut se dépêcher pour trouver une maison. Essayer de se stuff un minimum. Sans trop attirer directement les zombies. Les petits geeks, comme diraient les autres. Alors là, ça vient de péter. Ah, ah, ah. Oh, pitchoun! Oh, cette balle! Eh, mais Yana, c'est des putains de PGM! Yana, c'est des putains de PGM, quoi. Ils te mettent des bastos direct, quoi. Salut Skills! À quand Elav sur SM? Ah ben si vous voulez, à la deuxième heure là, des tranquillou skillou, on peut se faire un petit peu de SM. Pour ceux qui ne connaîtraient pas SM, ça ne veut pas dire sadomaso bien sûr. Ça veut dire shoot mania. Un petit fast FPS de chez Nadeo. Donc ouais, avec plaisir, si vous êtes chaud pour la deuxième heure, on pourra se faire du shoot mania, moi ça me va très bien. D'ailleurs je crois qu'il y a une cup SM ce soir. Je suis pas sûr, mais il me semble. J'ai cru voir ça sur les tweets. Alors, il y a des bruits d'armes là-bas, on va y aller. Je crois que c'était sa maison, ouais. Je crois aussi que c'était la sienne et il était pas content. Ça me fait penser à la dernière fois où, quand j'étais en live pour le ski ou pas, je rentre dans une maison et en fait, dans un placard dans le noir, il y avait un petit gars caché là. Ça m'avait fait complètement surprendre. Il m'avait complètement surpris plutôt. Moi aussi je suis pas fan de Assassin's Creed 4 mais qui ne tente rien, ouais. Non mais ça, après fan ou pas fan, mais ça reste un très très bon jeu. Donc voilà. Fallait le voir le mec en plus, ouais. C'est vrai que sur ce coup il fallait le voir le type. Mais là, là il y a du monde, hein. J'entends les portes s'ouvrir assez armées. Alors ici là ça peut être... On redescend, hein. Voilà, on redescend, on se gare. Parce que lui m'a vu. Je suis arrivé au mauvais moment en fait, c'est un petit peu dommage. Alors, ce qui fait chier, c'est qu'il faut péter les portes et que c'est super long de péter les portes. Hein. Regardez comment c'est long quand même. Ouais. Alors, ça laisse une chance aux survivants, c'est sûr. Mais... voilà quoi. Enfin, je vais aller te manger. Donc là, il doit avoir un petit peu peur le monsieur, parce qu'en plus il a son téléphone qui sonne. Il essaye de m'avoir à travers la porte, le filou. Le petit filou. Vous savez quoi, regarde. Ah non, on peut pas faire le tour de ça. Je crois qu'on peut faire le tour ici. Je suis pas du tout sûr, mais il me semble qu'on peut se faire le tour. Bon après il suffit qu'il descende par la fenêtre et qu'il se barre pendant que moi je pète les portes comme un tarn, mais bon, que voulez-vous? Ah, je suis déçu. Alors, et quand un JM, je pense que les seuls gens qui ont un esprit de raison comprendront. jamais je pense qu'on fera un JL sur Millennium, ça serait trop dingue. Ah oui, dans le placard MDR, genre pas de chance. Oui, c'est vrai que c'était vraiment pas de chance. Oui, il y a une cup ESL, demi-finale. Okay. Ah, c'était bien tenté, ouais, j'avoue quand même qu'il fallait le. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Hein. Bon, ça laisse de la chance un petit peu aux survivants. Mais c'est vrai que c'est long quoi. Hey man! Ah, je crois que c'était un pote à moi parce que vu comment il a la démarche du type. Ah, j'ai entendu des bastos là-bas, on va y aller.
Ah bon, après ça reste une bêta, donc il y a pas mal de choses à corriger, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des petits trucs, des fois c'est c'est vrai que, bon, j'ai pas rencontré encore trop de bugs. Juste peut-être dans les déplacements, des fois ça coince à certains endroits, des trucs d'ajustement, on va dire. En règle générale, c'est plutôt bien régi. Plutôt bien géré, pardon. Ah, ah, ah! Pas du caca. On s'est fait torcher. Elle est dans le toit. D'accord. Ah mais putain, mais lui il est imbattable. Il est intuable, le salopio, quoi. Ah GG, quoi. Ah, il s'est bien défendu, lui. GG à toi, mec. Alors, tu as déjà joué à PB Skilou? Oh oui, j'avais... Oh oui, on avait vraiment... on avait joué à PB à l'époque. On faisait partie d'un gros clan européen. Ah, je sais plus comment il s'appelle. J'étais avec Deg, Juju et... je ne sais plus qui. On faisait partie d'un gros clan européen. D'ailleurs. Et puis on a arrêté, en fait... quand c'était en free-to-play, on a arrêté. Et voilà, en plus, il y avait eu beaucoup de cheaters qui avaient débarqué, etc. Donc on s'était arrêté de jouer. Alors, j'ai farmé le jeu. Est-ce que j'ai farmé le jeu? Oh putain, il y a déjà du monde. Non? Pourtant, j'ai entendu un bruit de téléphone pas loin. Donc ça, c'est pas cool. Hein. Oh yes, nice. Nice! Bon, le fusil à pompe, au final, il est pas si bien que ça. Il fait des dégâts, mais il est pas tip top. Vaut mieux une bonne... bonne petite mitrailleuse, quoi. Vous savez quoi, je vais refermer cette porte comme ça. Après, vous pouvez vous barricader et tout ça, hein, je vous l'avais montré ça. Ah, cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte, monsieur. Il y a personne dans la maison alors que cette porte est ouverte. D'accord. Généralement, toutes les portes sont fermées. Putain, j'entends un truc vibrer. Est-ce que c'est mon téléphone ou... Oh là là, je suis pas bien, je suis en stress. Oula, je suis pas bien. Ok, en fait, c'est parce que la porte... Ok, d'accord, cette porte ne se ferme pas et ne s'ouvre pas, donc c'est bon. Ne soyons pas en stress. Tout est logique d'un coup. Mais en fait, ici, on est plutôt bien. Ça tire pas mal à la mitraillette. Il est téléchargeable, il est payant, c'est une bêta. Et ça m'étonnerait que tu puisses le trouver en téléchargement, sachant que c'est du online, online pur et dur, hein. Il n'y a pas de solo sur ce jeu. Donc voilà. Et il coûte 12 €. Ah, ça c'est bon ça. Il coûte 12 €, donc bon. Autant il y a des fois, voilà. Autant pour 12 €, ça reste une bêta. Le jeu est vraiment bien, donc. Voilà, si t'as 12 € à mettre dans un jeu, t'as envie de te faire un petit peu plaisir, je te conseille. Franchement, d'habitude je conseille pas forcément des jeux parce que j'aime pas trop, j'ai pas envie qu'on me dise « Ouais, en fait tu l'as acheté, j'aime pas, tu m'as fait acheter un jeu de merde et tout. » Voilà. Mais c'est vrai que là, bon, je peux te le conseiller. Voilà. Maintenant, si tu aimes pas, tu peux aller voir le Skilou pain, hein, tu vas sur ma chaîne YouTube, Skilou31. T'as un skill ou pas, où on fait un petit survol du jeu vite fait. Donc après tu peux te faire une idée, même maintenant tu peux te faire une certaine idée. Bon, j'aime bien, alors je campe un peu, vous allez me dire, mais bon, l'important c'est de survivre, hein, dans le jeu, hein, désolé mais... Je vais regarder s'il y a du monde pas loin, non ça va. En même temps là j'ai un peu peur de sortir. On est bien là. Je vais reprendre de la hauteur pour voir au niveau des fenêtres. Si je vois quelqu'un. Après c'est vrai que la map est relativement grande au final, hein. J'aimerais bien avoir une overview de la map, j'en ai pas. C'est vrai qu'une overview de la map serait intéressante. Ah, il y avait du monde là-bas je crois. Ou alors c'était un zombie.
Bon, allez, on va descendre, on va sortir un petit peu. On va faire le fifou. Et là, pour ça, j'ai envie de dire en même temps. Qui c'est qui veut les bastos? Qui c'est qui veut du plomb? Donc, attendez, parce que là, il y a énormément de gens qui. Alors, ça peut être des. Parce que voilà, ce qui est problématique aussi quand vous sortez, c'est que vous pouvez tomber sur des joueurs zombies. Et quand vous tombez sur des joueurs zombies, ben, c'est pas la même tout de suite. Et ça, c'est des joueurs zombies, hein, je vous le dis. Hein. Vu leur déplacement et tout ça, c'est clairement des joueurs zombies. Donc je me barre de là. Surtout que là, j'ai rameuté toute la planète intersidérale de contagion, je crois. Aïe aïe aïe, il est à la fenêtre. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai pris une belle bastos, hein. 11 HP. Mais depuis la fenêtre là. Oh mais y'en a, c'est des PGM de la night. Bon, il était peut-être au snipe, je sais pas. Mais là depuis la fenêtre il devait être au snipe, hein, parce qu'il m'a mis une balle. J'étais à 11 HP d'un coup, hein, donc il a dû me mettre une balle de snipe. Alors, une maison, donnez-moi une maison. Bon, je me fais un peu torcher là quand même. Je me fais un petit peu torcher. Alors, ça, c'est pas bon. Il y a une pique cassée. Il y a un gars qui vient de mourir. Voilà. Faire attention quand on loot, hein. C'est dangereux de looter, hein. Concrètement, faut faire gaffe. On peut pas looter comme ça ici. Allez là, un petit MP5, wesh. J'ai cassé des bouches avec mon MP5. On va prendre un petit peu de. On va fouiller un petit peu tout ça. Toujours, toujours avoir des balles dans les chiottes, hein. Ça peut être vital d'avoir. Ça peut être vital d'avoir des bastos dans les toilettes, hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Bon, là, y a moult zombies qui arrivent chez moi, bien sûr. Étonné. C'est quoi ça? Ah, ça c'est pour le sniper. J'ai pas de sniper. Ah, les balles. Alors je crois qu'on peut passer par là. Alors, j'ai entendu. Ah ah ah! Ah ben, aux pompes d'ici, ouais, c'est sûr que t'allais pas faire grand chose. On a bien vu les impacts des balles. Ah, ça c'était un méchant. Un méchant zombie humain. Ah, lui aussi c'est un méchant zombie humain, je crois. Je vais me barrer. Je vais me barrer de là. Wouhou! Comment ça va toi? La patate, la forme, la pêche? En fait, les zombies, ce sont des IA. Sauf que quand tu meurs, tu te transformes en zombie. Hein, donc voilà. Donc voilà. À la base, les zombies, ce sont des IA. Mais quand tu meurs, tu deviens zombie. Ah 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 ah. Quelqu'un qui vient de casser une fenêtre là. Oh oh, il m'a pas vu passer lui. Ah ouais. Tac là, prends ton chemin à la tête, salopard. Et je fais le fifou un peu. J'essaie de voir. Tiens, un truc gonflable. Je vais voir si je peux sauter dessus. Pour l'instant, je suis bien. Pour l'instant, je suis plutôt bien. On va rester là. Des balles dans les chiottes. Moi, j'ai une bombe atomique comme oreiller. Why not? Wouh! Salut toi! Ça va? La forme? Ah, hop là, lui c'est un méchant zombie qui m'aime pas.
Et à un moment donné, avec tout ce que je lui mets dessus, faudrait peut-être qu'il aille. Parce que moi, quand je suis un zombie, que je prends deux ou trois coups, je meurs. Lui, s'est pris un petit chargeur de MP5 plus une ou deux balles de pistolet, il ne meurt pas. Et t'es en fou furieux mode, le gars, quoi. Alors, je vais suivre mes collègues les zombies. Bon, en même temps, j'ai fait un petit peu le débile, mais bon. Mes collègues les zombies m'emmènent toujours au bon endroit, généralement. Voilà. Ah, restez tranquille, hein. On se met dans les buissons. Hop là. On reste caché. Là, on avance. On reste caché. Ah, il lui a pété les jambes, il marche encore. Ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est pas mal ça. Nice. Putain, je vais essayer de le contourner. Allez, on peut pas passer par derrière. Oh putain, je suis déçu. T'as trop de la chatte, mec. Ah, il s'est fait tuer par un zombie collègue. Eh, yeah, zombie collègue. C'est bien, mec. Ça fait du bon taf. Alors, je vais monter la fédération des zombies collègues. Donc là, il y a plein de zombies qui attaquent cette maison. On va y aller. Alors ça, on peut le casser là. Ah ben, il s'est bien protégé, lui. D'habitude, c'est ce que je fais. Ah ouais, il s'est vraiment protégé à fond. La porte d'entrée est ouverte. Est-ce qu'il s'est protégé là-haut? Ah, c'est encore l'autre. Lui, il est en mode bien protégé à chaque fois. Allez les gars, on avance. Là, j'ai pris une balle. Vous êtes bien d'accord que je viens de prendre une seule balle? Je comprends pas ça, moi. Ça, par contre, c'est suspect, leur histoire. Hein. Là, je suis complètement... Je sais pas du tout, là. Parce que là, je viens de prendre une balle, alors que tout à l'heure, sur le zombie, je lui ai mis un chargeur entier. Je sais pas. Alors, peut-être qu'il faut... Peut-être qu'il faut mettre des headshots, hein, tout simplement. Je sais pas. Possible, hein. Mais... Ça me paraît un petit peu suspect, cette histoire. Allez, la bande de bâtards. Hop là. Non, ouais, ouais. Ouais. Excuse-moi là, tu m'expliques comment tu viens de faire alors que j'étais en train de sauter, quoi. Là c'est louche, hein. Là ça devient un petit peu suspect. J'ai envie de le mettre one shot zombie, serious. Two time, quoi. Time. Explain me. Two time, explain me. Franchement, là, je ne sais pas comment il a fait, mais. En plus. Ah, j'ai un truc. En plus, c'est pile poil quand je saute, t'sais. Je fais exprès parce que je sais qu'il allait tirer, donc je fais exprès de sauter, mais le gars, non, pile poil dans... T'inquiète, tu sautes ou tu sautes pas, pour moi, ça revient au même. Parce que les zombies IA comme ça, là, les zombies de base, une balle dans la tête, ouais, mais nous. Nous, quand même. Alors, je sais pas, est-ce que nous aussi, il faudrait faire des tests, il faudrait essayer. Concrètement, c'est fort possible, hein. Balle à la tête, mais bon, soit par contre, c'est surtout dans la façon dont il m'a tué, parce que j'étais en train de sauter, quoi, qui m'a paru luxe. Il a un aim de fou, ça c'est fort possible aussi. Donc là, je peux pas passer. Non, c'est vrai que sur ce coup, ça m'a paru luxe.
pas, il faudrait voir sur des zombies amis. Des zombies humains, est-ce qu'on peut vraiment caler une tête? Ça me paraît un petit peu suspect. Enfin, on verra bien. Après, s'il faut, il y a des pistes. Parce qu'il y a différents pistolets aussi. Hein. Oula, ça tire pas loin là quand même. Donc il y a différents pistolets, peut-être que. Peut-être que des 1911 ou autres pistolets sont peut-être. Putain, c'est quoi qu'on entend se péter à chaque fois? Ah, mon téléphone sonne. Ça c'est bugué là, il y a un truc qui est bugué complet là. Ça il faudrait le signaler. Il y a un truc qui se casse all the time là. Trop louche les pistons. Ah, c'est peut-être ici. Allez, tiens dans ta tête! Dans ta petite tête! J'aime quand ça se passe comme ça les choses. Donc il doit y en avoir un autre. Hein. Je suppose. En tout cas, il y a du zombie. Ça, je le sais. Ça c'est sûr, il y a du zombie. Alors, je vais m'approcher près de la maison pour voir s'il y a un joueur avec mon petit téléphone. Donc voyez, le jour où il y aura un zombie apocalypse irréel et que vous avez toujours votre téléphone portable, désactivez le Bluetooth. Sinon les gens pourront savoir où vous êtes et ça vous serez déçus. Bon, alors, j'ai eu du mal à viser la tête, je te l'accorde, mais... Ça, c'était un joueur zombie. Hein. Ça, c'était un joueur zombie que j'ai tué. Et j'ai un petit peu galéré, mais la dernière balle, je lui ai mis dans la tête et au final, ça a fait le café. Donc, s'il faut, ça doit être ça. Ah ben voilà, ça c'est bon, ça. Donc s'il faut au final, ouais, hein, je pense qu'une balle dans la tête, même quand vous êtes zombie, ça doit marcher. Oh lui c'est méchant. Non mais, ouais, bon. Franchement, il y a des choses bizarres qui se passent dans le jeu. Franchement, parce que là je lui mets une grosse rafale de... D'AK dans la... Ouais. Il y avait trop de zombies là, il y avait trop de zombies, j'ai fait de la merde. Non, c'est assez bizarre quand même. Bam, bam, bam. Bon, je vais mettre un petit peu de musique. Vous savez quoi, comme ça, ça fera passer le temps un peu. Pourquoi ça marche plus? Allez, la musique du cousin. Pourquoi elle marche plus la musique du cousin? Ah, nice. Type of grind, just being
Ok. Bon, et une maison au pire là, s'il vous plaît. Ah. Ah, coup de grenade et tout. Il est gros ce rasoir. C'est du rasoir de compète ça. Tu prends un rasoir comme ça, c'est bon quoi, tu te rases le nez avec et tout. Taille du rasoir quoi. Le truc, ils se sont dit, bon les gars, on va faire un rasoir. Pour pouvoir se raser le nez avec. Oula, oula, c'est la guerre là-bas. Oh, je vais voir avec le sniper là. Si on voit quelqu'un. Oh merde! Je vais faire la tourelle pour voir un peu. Là, si il part pas là, c'est qu'il doit y avoir du monde. Il doit y avoir du monde dans cette maison. Non! Oh non! Au revolver! Oh, le gars, il m'a mis une tête au revolver, je ne sais d'où, mais il me l'a mis. Alors, envoie-moi un lien, hein. Y a pas de soucis si vous voulez entendre une musique en. En particulier, vous m'envoyez un Kerry sur IRC, je vous la passerai après. Ah, pour l'instant, j'écoute la musique du cousin, et puis à la fin, je passerai vos liens. La nouvelle mixtape là qu'il a sorti. Donc, voilà, je fais un petit peu de pub, hein. Il est là-haut le monsieur qui vient de me tuer. Donc en fait, il était juste derrière moi. Je crois qu'il est descendu le monsieur. Ouais. Je suis bloqué sur un banc. Voilà, en fait, donc il m'a pas chuté de loin, il était juste derrière moi. Là, il y en a un au fond là-bas. Allez, mange! Je vous ai mangé, moi! Yo, Getolia, comment ça va, Getolia? J'espère que t'as la patate, la forme, l'abricot, comme dirait l'autre aussi. Benio, et Rose Bulon. La Benio. La c'est moi l'autre, ouais j'avoue. C'est toi. Donc tiens d'ailleurs si vous voulez écouter, hein, je fais un petit peu de la pub pour mon cousin, j'en profite. Bon. Ah, et n'hésitez pas à aller ici pour écouter son son. Il fait quand même du bon son le gars. Ah 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 ah. C'est moi qui l'ai tué ou pas là? Parce que quand même toutes les balles que je lui ai mis. Alors doit y avoir un certain recul hein. C'est quoi mon nom? Non non moi je suis M Skilou hein. Entre parenthèses M Skilou. Wow team, salut Skin, pour ce jeu il y a besoin d'un gros PC pour le faire tourner. Salut Canette, non je pense pas. Maintenant moi je suis tout en full là. Mais après ça reste du Source Engine, hein. Ça reste du Half-Life 2 mode.
Ça reste du Source Engine, donc je pense pas qu'il faille un gros PC pour le faire tourner hein, concrètement. Ok d'accord, les handscopes c'est pas le top. Comment allez-vous, vous dit Kenneth hein? J'espère que vous allez tous bien. Ça c'est un méchant. Et franchement les zombies, je comprends pas, j'essaie de leur mettre une balle dans la tête, ça ne veut pas passer. Je suis déçu. Foguita et Zala, il a fait un clip sur cette chanson. Il déchire le clip. D'ailleurs, attends, je vais vous le passer le clip. Laissez-moi le temps de le retrouver parce que, franchement, ouais, je suis content parce que c'est un gars de ma famille qui fait du super boulot et je suis plutôt content pour lui. Alors, laissez-moi retrouver ce clip qui déchire. Alors, ce qui les loue, t'as acheté la nullité dans loadout? Non, je l'ai pas acheté. J'ai vu la nouvelle mise à jour, la machin truc chouette là, mais je ne l'ai pas acheté. En même temps, voilà, acheter la nudité, ça fait mal aux fesses. En fait, il y a des mécaniques. Bah, la seule mécanique qui est, on va dire, pompée de Left 4 Dead, bah, c'est le fait d'être un zombie, quoi. Voilà, c'est le fait de pouvoir jouer un zombie contre des joueurs. Après, pour l'instant, ça s'arrête là en termes de mécanique, on va dire. Ah tiens, il y a un joueur là-bas. Après, le reste, voilà, quoi. Oh là là, j'étais à 117 HP et j'ai pris comme si je prenais un one shot d'un coup quoi. C'est assez bizarre les dégâts qu'on prend. Et moi j'ai tellement du mal, ou alors je suis tellement mauvais pour viser peut-être. Parce que j'ai l'impression que je joue avec des PGM de lane. Donc ouais, n'hésitez pas à regarder ce petit clip. Allez, check cette musique aussi qui est plutôt pas mal. On peut pas passer par là, je suppose que ça doit être un petit peu la fin de la map, non? Non, je pourrais escalader la bordure. Hey bro, comment ça va mec? T'es un petit peu bugué toi, non? Tu m'as l'air un petit peu bugué, ouais. Un petit peu quand même, hein. D'ailleurs, il y a quelques morceaux où il essaye de parler un petit peu français. Bon, il sait parler à peu près français, mais c'est pas tout à fait ça. En même temps, il parle mieux français que moi que je parle anglais, quoi. Vous allez bien. My pleasure. Donc là, il y avait du monde, non? Entendu de... Ah, bah il est mort. Il se faire tuer. Par contre, j'aimerais bien. Ça, c'est un gars comme moi, ça. C'est un gars comme moi, il est resté bloqué contre le poteau, il a mis une bitch le poteau. Ah, y a un gars en face, aux pompes. Ouais, mais c'est bizarre ça. Il me vise même pas, il tire, il met une balle. C'est quoi son nom de chanteur? Young Fabes. Young Fabes. Tout simplement parce qu'il s'appelle Fabien. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir.
Il s'appelle Fabien et voilà, c'est le petit Fabien quoi. Young Fabes. Nothing in this life is ever certain, except for change, so we busy putting work in. They say talk is cheap, so these birds keep chirping. Flipping switches sweet, so these trees keep burning. God damn, man, I'm ill as shit. Hit my flow so dope, it should be illicit. Boy, j'ai cru voir quelqu'un là, je suis pas fou. Pull this microphone from stone, I ain't ill equipped. With Excalibur and the 50 caliber, I'm shooting for the moon, so homie, check up on your calendar. Cause time is up the asses, but nah, that ain't the measure. You should get to know me, homie, it's my pleasure. My pleasure. Hey, snipe, sniper, roof of basement house. Ok. Attends, hein. C'est ce que j'ai essayé de faire la dernière fois, mais je me suis fait complètement. Hein. Alors, est-ce que vous voyez quelqu'un sur les toits là? Concrètement, je vois personne sur les toits, je vois un gars courir là-bas. Allez, j'y vais. Hop là. Ah, il est en train de monter là. Et ouais, ça déforme un petit peu l'image de la fauve là. La vision du zombie quoi. My pleasure. Alors, il est parti où? Putain. Ah, je suis déçu quoi. Ah, il est en train de se barrer, je sais pas où. Ah, il est là-bas. On va tous se jeter sur... Ah bah c'est fini. J'allais dire, on va tous se jeter sur lui, mais c'est la fin. Salut If. Comment ça va If? J'espère que t'as la forme If. If you have a pseudo like If, you have happiness. Yeah, yeah. Allez, une petite maison. Oh, il y a déjà masse zombies ici, quoi. Moi, je spawn, il y a 10 000 zombies autour de moi. Ça va, je l'avais pas entendu, ça. Je l'avais pas entendu, cette musique, là. Du moins, cet instru. Only the youth and the American dream was more American truth, at least to me. That's how I knew I could escape from this fate. It's brand new. Barely 18 with one backpack. I bought a one way. Ah, il est pas loin le gars. Ah, il a lancé une grenade. Le gars a lancé une grenade dans l'appart. Ça pue là. Je suis en position caca là. Oula, oula, il se passe des choses. Putain, mais ce que je lui mets. Ah, quand même quoi. Money
balles, comme par hasard. Heureusement qu'il a pas une grenade là. Sinon on aurait été... Ah je te l'ai mise celle-là. Ça c'est bizarre parce que ce zombie il va pas l'aggro à l'autre quoi. Hein? Allez tiens, tiens. Tout en tuant le zombie je te dis quoi. I am a pro gamer of the lock. Donnez-moi des balles, donnez-moi des armes. Oh le fusil de chasse quoi, à l'ancienne. Oh putain ouais c'est à l'ancienne quoi. C'est deux cartouches quoi. Pas plus. Putain mais moi je prends des armes où il n'y a pas de bastos à chaque fois, ça me stresse. Une force intéressante, internationale, intersidérale. Allez je me barre de là un peu. On va aller à l'autre maison tiens. Alors pourquoi dans les... Oh j'ai pris une sacrée balle. Pourquoi dans les jeux de zombies c'est toujours des portes en bois le truc. Moins résistant quoi. Bref, parce qu'en règle générale les portes, surtout dans des maisons, elles sont en bois. Maintenant, pas forcément les portes d'entrée, etc. Mais généralement dans une maison, je sais pas si vous avez déjà cassé une porte. La porte, c'est du carton en fait. C'est même pas du bois. C'est deux planches de contreplaqué de 0,5 avec des alvéoles cartonnées à l'intérieur. Donc vous mettez un petit coup de poing dedans, elle se pète. Hein, donc, Et généralement dans les maisons, bah, toutes les portes sont comme ça. À moins que t'aies des portes en bête, des portes sécurité, coup de feu, je sais pas quoi, enfin tout ce que tu veux. Mais voilà, dans les maisons généralement, c'est des portes, des petites portes. Putain, mais ici on entend toujours un truc. Là c'est un petit bug hein, parce qu'on entend un bruit de fenêtre cassée, mais y'a rien en fait. Petite astuce menuiserie, ouais, exactement. Si vous avez des problèmes de menuiserie, de peinture aussi, de vitrerie, parce que je suis peintre vitrier à la base, hein, donc si vous avez des travaux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur skilloutv.com. Hein, juste opérationnel hein, bien sûr pour venir vous aider dans vos travaux d'aménagement de restauration aussi comme vous voulez. Ça c'était l'interlude à Midnight in Paris. Midnight in Paris elle déchire, écoutez là cette musique, elle est vraiment bien. Ah là il y a du monde pas loin. Ah, c'est passé en bas je crois. C'est contagion en vrai. Contagion sur cible. Wouh! Ah il est pas content monsieur. Allez je t'ai mangé. Mon amour, mon amour. Attendez, attendez, je vous la remets celle-là. Je vous la remets, elle est juste énorme. J'adore quand il dit ça. Attends. Deux secondes, je vous remets l'intro parce que j'adore quand il dit ça. Young Faze. Higher Intelligence. Mon amour, mon amour. Comment ça va? Je m'appelle Fabien. Avec le je ne sais quoi. mon amour, comment ça va? Je m'appelle Fabien avec un je ne sais quoi. Énorme. Du rouge français, se promet. Oh putain. Donc là, vous voyez, je lui ai mis quand même 3 balles dans la tête, d'après ce que j'ai pu voir, moi, quand même. Là. Ça reste quand même 3 balles dans la tête, et au final, le zombie, il met du temps à mourir, quoi. Ah merde, Freddy. Quoi, t'essayes de me tirer d'ici, toi? Ah ouais, moi je vise bien, moi. Dingo à Paris. Dingo à Paris. Aïe 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 aïe.
planted like acres. Alors, faux, hier j'ai ragé, alors attends, j'ai mis un point à ma porte a pas bougé, mais mon mur a tremblé. Ouais, ben ça dépend, hein. Ça dépend des portes, hein, mais en règle générale c'est des portes comme ça, après bon, ça dépend de ta force aussi, j'ai envie de dire. Hein. C'est sûr que si tu mets des gifles à ta porte, ça va pas péter, par contre si tu mets des vrais coups de poing... Voilà. C'était le troll, hein. C'était le troll pour dire qu'en fait t'avais pas forcément beaucoup de puissance dans tes coups de poing. Voilà. Je pense que tu l'as compris. Tango and Paris. Tango à Paris. Ah, au moins que tu parles du chanteur. De quoi Ryler? Mets le lien top. Young Fabes, si vous voulez revouler le lien. Hop, 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 hop. Voilà le lien. Et donc voilà, c'est mon cousin. C'est mon cousin qui habite en Californie, donc. Et qui fait de la musique. Un de mes deux cousins, parce qu'il a un grand frère, d'ailleurs. Et c'est mon petit cousin, d'ailleurs. Voyez le nombre de balles qu'il faut lui mettre dans sa tête pour qu'il meure, lui. Die, motherfucker. Et donc voilà. Et là, c'est ça, mixtape. Ah ouais, bon, ok. On va plus faire grand chose là. Donc c'est ça, une nouvelle mixtape. Et voilà. Il a fait d'autres sons aussi. Moi j'ai biffé à la porte de mon garage et elle s'est enfoncée. Bah ouais, si c'est de la tôle, ça s'enfonce assez rapidement. Donc il faut faire gaffe. Moi si je mets un coup de poing dans ma porte, c'est ma main qui se casse, c'est pas la porte. Ça arrive à souvent à beaucoup de personnes, hein, généralement. Alors, moi je me souviens d'avoir mis un coup de poing dans un mur. Et je m'étais pété deux phalanges là. Des petits doigts, deux phalanges du petit doigt. J'avais le petit doigt tout gonflé là. Et le mur n'avait pas bougé, bien sûr. À part un petit trou dans le plâtre, il n'y avait rien d'autre, hein, bien sûr. Le mur, il a rigolé, il a fait ah, c'est un joke, t'essayes de faire quoi là? Voilà, par contre, moi j'ai un petit peu pleuré quoi. J'ai un petit peu pleuré ma race après, voilà quoi. Ben, moi aussi je suis pas un grand fan du rap, hein. Concrètement, hein, j'aime bien écouter du bon rap et tout, hein, à l'époque et tout, j'écoutais mass rap quand j'étais jeune. Ben, c'est vrai que bon, moi je suis assez éclectique au niveau des musiques. Non mais c'est quoi ces gars qui arrivent à te one shot comme ça là? C'est ça que je comprends pas là. C'est totalement abstrait pour moi. Alors là les types te mettent des one shots comme ça alors que toi des fois tu galères pour les tuer, ça je comprends pas. Là il y a un truc à regarder, hein, franchement. Les murs sont des putains de campeurs aussi, c'est sûr. Bon, j'avais entendu des bastos là. Hein. Ah, il est là. Non? Ah non, c'est un zombie. Où c'est que tu l'as entendu? Et les bruits des zombies, par contre, c'est juste. Y'a pas bruit du zombie là? Non, hein. Petit peu dommage, hein, parce que les bruits des zombies sont juste relous, quoi. C'est le netcode, il y a Ours qui nous dit c'est le netcode, t'es poursuivi dans partout. J'avoue. Non mais après bon, parce que là en plus j'ai pas ma Sensi et tout. Après vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une espèce de fauve en fait. On peut changer la fauve, hein, de l'arme et de la vue. Donc après j'ai pas fait tous les réglages, j'ai pas ma Sensi et tout. Donc quand je vise, c'est vrai que je vise mal comparé à eux qui doivent peut-être mieux viser et me les mettre directement dans la tête quoi. C'est vrai que moi je ça part un peu dans tous les sens et tout.
Putain, on entend personne là. Il en reste combien? Putain, il en reste 4. Ah, et là, ils sont. Je suis sûr, ils sont en train de camper dans les baraques là. Pas possible quoi. Oh, c'est relou, hein. J'éteins le son, hein. Je suis désolé, mais le son du zombie qui fait. C'est bon, quoi. Ouais, voilà, c'est bon, ça m'a saoulé, je suis désolé, hein. J'enlève le son parce que là, clairement, je suis devenu fou, là. Non non non, mais après c'est pas des excuses hein. Après moi je suis dans le jeu là, donc généralement quand je croise quelqu'un je me chie dessus hein. Même un zombie et tout je suis pas rassuré, tu vois. Donc c'est pas le aim. Mais après c'est vrai qu'en termes de sensi là voilà. Je fais, alors je vous montre le nombre de coups de souris. J'ai fait 4 coups de souris pour faire un 3-6. C'est un petit peu la merde. Bon, on entend. Ah ouais, mais par contre, si j'enlève le son, je vais pas entendre là où ils sont. Hein, par contre, là, c'est ça qui est problématique. Hein. Ouais, c'est fini. Hop, allez, la mixtape du cousin, elle est passée. Je vais passer votre son. On va voir d'abord ce que c'est. Hein. Alors Nerio, tu peux passer le YouTube de ton cousin, please. Je sais pas s'il a un YouTube. En tout cas, il y avait ça. Je vous ai envoyé sa mix, sa, son clip. Et j'ai plus le lien sous la main. Donc sur IRC, si vous avez le lien, je sais plus où c'est que je l'ai mis, il est là. Hop là, hop là. Je sais pas si c'est son YouTube d'ailleurs. Je sais pas du tout. Bon, vous savez quoi, de toute façon. Alors hop. De toute façon, il est 22h, donc on va finir cette partie. Bon, il faut suivre un zombie là. Il faut suivre un zombie, voir où c'est qu'il y a du bruit et tout. Et ok, lui me suit, donc on est mal barré, d'accord. Vous avez compris, les gars. Donc après c'est pareil, comme Getolia, si vous voulez écouter de la musique, hein, n'hésitez pas à me querry sur IRC, à m'envoyer un lien, hein. Pas sur Diaz Millennium 3 directement, mais vous m'envoyez un message privé bien sûr, hein, pour pas spam l'IRC, et je vous passerai la musique qui vous donne envie. Donc, bon, par contre sans son dans le jeu, je vais galérer pour savoir où ils sont, et ça va être magique, surtout qu'ils sont plus que deux en plus. Hein. Faudrait que. Il n'y a aucun zombie par ici. Ouais! Voilà, je danse, je bouge mon body, bien sûr, vous avez vu, je suis le meilleur danseur sur chaise EU. S'il y avait des compétitions de danse sur chaise, je suis sûr que je terminerais premier, parce que depuis le temps que je danse sur des chaises, je crois que je bats tout le monde. Hein. Cherchez pas. Cherchez pas, je suis trop fort à ce niveau-là. Bon, ben on va se faire une petite pause. On va se faire une petite pause. Et juste après, on m'avait proposé d'aller sur du SM. Donc on va aller sur du Shootmania après. Why not? Donc si vous voulez rejoindre, pas de soucis. On ira sur un serveur en élite. Hein. Moi je suis pas obstacle et tout ça. Hein. Je suis élite. Hein, donc on ira sur du serveur élite. Donc voilà. Petite pause de 5 minutes, les amis. Et on se retrouve juste après pour ce tranquillou skilou sur Shootmania. Allez, à tout de suite. Oh.
Ce n'est pas une rediffusion, notre ami Nenlir. Vous inquiétez pas, je lis l'IRC. Hein. Ce n'est pas une rediffusion, je suis là. Touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Je vais fuir les gens, j'ai l'impression. Faut que j'arrête mes conneries, moi. J'arrête le stream. Non, je les fais fuir, quoi. Putain, je te jure. Touch my tralala and ding ding dong. Merci à Ours pour cette musique extraordinaire pendant cette pause. Donc n'hésitez pas, comme Yaourt, ça me guérit sur IRC, hein, Dies Millennium 3. Si vous voulez entendre une musique que vous aimez bien, eh bien je vous la passerai bien sûr.
et on est parti sur du Shootmania. Shootmania, Skiloot, stop chanter, stop. Non, mais je suis trop fort, quoi. Mec, je suis une star à multiples talents. Je danse sur chaise et tout. La danse des épaules, c'est moi qui l'ai donné à Luna. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai téléphoné. Allô, Cédric, tu veux faire un buzz? Tu fais la danse des épaules, c'est bon, ça marche, quoi. Je cherchais pas la danse des épaules, c'est moi. Enfin, voilà, quoi. J'ai chanté et tout, je suis une grande star, quoi. Alors, non, évitez sur, directement sur IRC, envoyez-moi un Kerry, je vous le répète, s'il vous plaît, sinon... Monsieur Kizano va vous ban tout simplement au kick de l'IRC parce que les gens vont commencer à spam des liens et voilà. Donc en query, en MP sur IRC, hein, voilà. Entre parenthèses M plus loin, Skiloot. Cliquez dessus. Et voilà. Alors, Shootmania. Allez, un petit peu de nid en 4 pendant 10 heures si ça vous dit. Y'a pas de soucis. On va se taper 10 heures de Nyan 4, moi il n'y a aucun problème. Alors, Enter an Elite. Donc, si vous voulez entendre autre chose que du Nyan 4 pendant la fin du stream, n'hésitez pas à envoyer d'autres musiques, hein, sinon, ben, ça sera tant pis pour vous. Vous allez subir. C'est pas grave. Alors, je vais aller sur un serveur. Je vais pas aller sur du. Petit serveur Elite. LSD Elite, y'a pas grand monde. Cabal, est-ce que c'est le Cabal qu'on connaît? Ça m'étonnerait. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Déjà que je fais fuir les gens. Alors si vous en plus vous me si vous me mettez du Nyan 4, je crois que c'est loose, hein. Ça va être le stream loose, hein. Attends. Putain, il y avait un truc trop bizarre. J'ai énormément de CNC par contre. Oh. Oh damn. Wouah. Trop de CNC, hein. Ça va être la misère. Ah ouais, grave. Alors, c'est comment qu'on fait déjà? On va voir. Donc voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Comment je l'ai stylé. Putain, j'ai trop de sensi, c'est horrible, pourtant je l'ai baissé. Alors, Lacante, qui nous envoie une musique. Allez, hein, on va passer à la musique de Lacante. Désolé hein, pour le Nyan 4, hein, mais voilà, ça sera toujours mieux. Rob Zombie, Dead City Radio. Allez, c'est parti. Je suis un petit peu tout seul hein, face à la terre entière, bon c'est cool les gars. Donc si vous voulez venir me rejoindre ça serait plutôt sympa de votre part. Ah oh. Vous êtes sérieux? Lol. Oh, je suis mort. Je suis mort. Ah non. Allez, mec. Ok, un skill. Je peux pas rejoindre. Ah. Vous ne pouvez pas rejoindre pourtant. À moins que vous soyez pas 60k, ouais, c'est possible. Ah, je sais.
Oh, j'essaierai de trouver notre serveur alors. Je fais mon run et je cherche un autre serveur. Allez les gars. Les gars jouent leur life, regarde. Ça y est quoi. Ah, salut toi. Ah, t'as de la chatte. Oh, t'as de la chatte que j'ai pas la sensi. J'ai plus de... Oh là là, j'ai plus de sensi. Hein. J'allais dire, c'est bon, j'ai plus de sensi. C'est foutu. Ah, il est au-dessus. Hein. Ah ouais. Heureusement que j'avais un petit peu de son pour l'entendre. Allez, je vais changer alors si vous pouvez pas rejoindre. Hein. Parce que j'étais un serveur 60k, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, c'était le Elite 60k. On va aller sur Bon, après, je sais pas si on va être assez, sinon je vais sur un serveur vide. Hein, mais si on n'est pas assez, après, voilà quoi. J'ai pas envie d'attendre pendant 2 heures quoi. T'aimes pas le mode Storm? Ouais, non. Moi, c'est Elite ou rien. Après, un Storm, ça dépend, mais. Ça dépend des modes en Storm. Y a pas grand truc que j'aime vraiment. Alors, qui c'est qui nous envoie une petite musique là? Coréline, allez, la musique de Coréline. C'est quoi? C'est quoi? C'est du Fête Le Grand et Nicky Romero. Ouais, elle est excellemment forte la musique. Pas baisser. Voilà. Donc, je suis sur le EKP Elite 2. EKP Elite 2, les gars. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre, dépêchez-vous. EKP Elite 2. Sinon, je partirai sur un autre serveur où il y a du monde. Et vous n'aurez pas forcément la possibilité de rejoindre. Comme dirait le Toulousain que je suis. Donc, fast. 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 And encore fast les gens. Ça c'est bon comme musique. Oh, tout est bon. Hein. J'ai un truc dans le nez depuis tout à l'heure. Désolé, je me gratte le nez. Mais... Petit truc dans le nez. Alors. Alors, il y a Getolia, il est là. Alors, ça doit être lui, Panama. Il n'y a personne d'autre qui veut rejoindre là. Parce qu'il y avait, je sais plus qui. Ah non, Getolia est là, voilà. Donc, c'était pas Panama. Il y a Panama, il y a Getolia. EKP Elite 2 pour le serveur, les gens, si vous voulez rejoindre. EKP Elite 2. Tu as un doigt dans le nez, c'est normal que ça gêne. Oui, bien sûr. J'ai un doigt dans le cerveau. Attendez, un petit problème pour m'enlever le doigt dans le nez. Allez, go duel. Allez, le 1v2. Le 1v2 du siècle. De la Terre intersidérale internationale. Ah non, il faut pas sauter comme ça, monsieur. Il ne faut pas sauter devant moi, monsieur. Dans Shootmania, il ne faut pas sauter. Voilà.
C'est dit. Dans Shootmania, il ne faut pas sauter. Ah, on m'a rejoint. C'est Getolia, ok. Donc il y a Frojav en face de nous. J'étais bien tout seul. Oh, je l'ai pas touché. Oh, comment je l'ai bump. Le type, je l'ai full bump, mais je le touche pas, quoi. Ah, je suis death. Déçu, du coup. Oh, c'est un là. Ah, j'ai un petit peu bump mon ami. Que ouais, c'est ma faute, hein, si tu die. Hein. Clairement, c'est ma faute, mec. J'ai Getolia, hein, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Hein. C'est ma faute si tu die. Je t'ai bump. Hein. Cherche pas. Non, non, tu m'auras pas comme ça, toi. Ah, je mets la roquette sur le pôle, mais je suis totalement déçu. Putain, je voulais le bump. Bump, bump to the bump. Alors, Ko qui me dit, ok, d'accord. Ah, ben, on passera la musique de Ko après. Ah, je passe d'abord les musiques des gens qui ont pas déjà envoyé une musique, et après, je repasserai vos musiques là, Alex et Padaga, y'a pas de soucis. Pour l'instant, faire. Tour de rôle, hein, bien sûr. Oh, GG ça. Derrière toi, derrière toi. Oh, dommage. Oh, il t'a brained. T'as brained. Oh, dommage, Getolia. C'était bien parti, quoi. C'était bien parti. Allez, la musique est finie. On va passer celle de Ko. Alors il m'a laissé tout seul je crois, hein. Ouais. Ah ! J'allais dire, oh cette requête, j'aurais dû lui mettre. J'aurais dû lui mettre direct. Toutes les X sont autorisées. Toutes les X, ça dépend. Hein. Ça dépend exactement de ce que t'entends par toutes les X. Hein. Bien sûr. Ok. Oh, toi, 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 toi. Ah, bah oui, mon ami. Ah, dommage. Oh non! Mais mon rail qui met 2 ans à se recharger, quoi! Oh! Active-toi un peu là, le rail! Le truc, il a mis 2 ans, quoi! Ah, mais toutes les genres de musique, oui! Après, après voilà, quoi! Je veux pas des musiques à titre raciste ou autre, vous voyez ce que je veux dire, quoi! Après, bien sûr que toutes les musiques sont autorisées. Oh là là, j'ai... Non. Tchè, mec, t'as cru, hein. C'est... Il y a du level. Ouais. Ah, il est 1500ème, 8000ème, 13000ème. Ouais, il a pas l'air d'être mauvais, Jav, quand même. Jav n'a pas l'air d'être mauvais, quand même. Ah, j'ai fait du Shootmania, j'ai fait fuir tout le monde. Hein. Tout de suite, les gens ils ont fait ouais, c'est quoi du Shootmania? Nous on préfère code, code, c'est mieux, code. Ah, je suis désolé, c'est du Shootmania. Allez, GG! Allez, allez, allez! Ah, allez, GG! Allez, 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 tu le mets là! Applique-toi, Getolia! Oh, il est easy là! Il est easy win quoi quand il saute comme ça! Oh là, c'est chaud par contre! Oh, il te rush même pas! Ah, dommage! Dommage, dommage! Bam, 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 bam.
Alors, je sais pas aussi si vous avez entendu, mais à ce qui paraît, les États-Unis vont créer un Iron Man. Je sais pas si vous l'avez entendu, bien sûr. Alors, je vous mets la vidéo, hein. Et c'est direct, c'est pas du fake, c'est pas un montage. Alors après, en quelles circonstances ils ont dit ça exactement, ça je sais pas, mais j'ai vu ça et j'ai fait lol. Plutôt pas mal. Oh, je me loupe alors qu'il est totalement free le gars. Oh, celle-là. Ah, cette chatte, Pana! Oh, la roquette de Pana, chatteuse, quoi. Trop chatteuse. J'aurais pu la deny en le tuant, quoi. Dommage. Oui, c'est une vanne, hein, sûrement. Hein. Je pense pas que les gars vont créer un Iron Man, t'as vu? Ça m'étonnerait, tu vois. Bon, voilà, on est... Et encore que, tu vois... À chaque fois, la désinformation des Américains, tu vois. La désinformation des Américains, c'est dans ce style-là, tu vois. C'est en conférence de presse, tu vois. On balance une joke, et en fait, c'est la vérité, tu vois. Alors, tout le monde pense que c'est un gros mytho, c'est une joke et tout, ouais, c'est bon. Et en fait, non, ben non. C'est la stricte vérité. Donc, tu vois, ça peut être de la totale désinformation. Donc, avis à ceux qui aiment la conspiration. Il est où? Ah, mais elle est là, monsieur. Ok, d'accord. Je savais pas, hein. Oh, il m'a eu, ah, GG. Il est sur le pôle, allez, je tolère. Oh, il nous l'a mise. Ventiqué GA hypnotise. Tu me dirais, ils le pourraient. Ouais. C'est vrai que je suis sûr c'est dans leur corde. Hein. T'envoies les ingénieurs de la NASA, tu sais. Vous avez 2 heures pour me faire un Iron Man. Les gars, ils font OK, no problem. Ils t'écrivent très vrai ou fake. AAA. J'ai envie de lui dire vrai ou fake. AAA. Ah, je sais pas, d'après toi. Sauf que bon, je ne le suis plus, hein. Donc à partir de là. Donne-moi un ping, monsieur, hein, si t'as une info. Donnez des pings avec l'heure, hein. Voilà. Sinon, on n'a pas d'info. Oh, c'est un là. Oh, c'est un là. Oh, GG. Hello, soldier. N'hésitez pas, hein, pareil, si vous voulez entendre de la musique comme tous ceux qui l'ont fait, Ivory, Coriline, Alex, Lacant, Yaourt, Nerio, Mpadaga et Ti. N'hésitez pas à m'envoyer des liens en Kerry sur IRC et je vous passerai votre musique, y a pas de soucis. D'ailleurs, la salle que je dois passer, je crois que c'est celle de la deuxième d'Alex après. Rasta. Yo yo. Why yo yo. Why yo yo yo. Oh, j'ai oublié de sauter. Oh, il les prend pas. Oh, il la prend pas. Mais putain, mais je suis fou avec mes roquettes, moi. Je mets tout à côté, quoi. Alors, ça c'est fini.
Ça c'est fini, on va passer à la deuxième donc de Alex. Tac tac tac. Un petit peu de Skrillex. Et après, ça sera du Coriline. Oh! Il est où le monsieur? Ah, il est là. Pour ceux qui voudraient sortir en soirée étudiant, c'est ça? Vous pouvez commencer à vous motiver avec cette musique un peu. Et par contre, voilà, si vous sortez en soirée étudiante, c'est ça? Bien sûr, hein, attention à l'alcool, attention au volant, etc., etc. Ouais, en fait moi je les rush pas hein, les gars. J'attends qu'ils viennent parce que moi je suis gentil quoi. J'aime bien faire des duels quoi. Ah je suis nul avec mes roquettes. C'est... Je suis tellement nul avec mes roquettes. C'est juste horrible quoi. Allez, Getolia, tu peux le faire. On compte sur toi, sinon ils ont gagné. Putain, les gens, ils vont me dire, mais qu'est-ce que t'as fait sur la télé? T'as fait partir tout le monde. J'avoue que j'ai fait fuir tout le monde. Attention, s'il faut, ça sera mon dernier stream. J'ai fait partir tout le monde, donc attention, hein. Alors, non, après tu passes la mienne. Bah ouais, ça fait 30 minutes que je l'ai envoyé, tu l'esquives depuis. Possible. Je sais pas, en même temps, désolé, hein, mais voilà quoi. Je me souviens pas de tout quoi. Ah, GG ça, allez! Allez! Allez, Getolia, tu peux le faire! Nice mec, nice, nice. Allez, on a encore une chance là, il faut y croire. Ah mais je sais qu'il y en a, les gars. Je vous adore, hein. Il y a des fidèles, ça fait plaisir. Oh. Mais les roquettes de l'au-delà quoi, je déteste les roquettes, je sais pas jouer aux roquettes, c'est horrible. Ah, je sais pourquoi il vend son billet de la GA lui. Hein. C'est peut-être parce qu'il est pas terrible. Hein. Ah, je suis du mauvais côté de la grille. Je voulais le brain. Oh, j'ai sauté trop tard. Ah, c'est ma faute. En plus, il avait plus le temps, quoi. Il avait plus le temps. Je suis débile. Je suis débile. Bon, il faut que je me rattrape. Ah, c'est pas à moi de jouer. Merde. Alors, la musique d'aime pas les gars. C'est bon, t'as vu, je t'ai pas oublié. Ah, mais tu viens de là encore la renvoyer. C'est la même, non? Ça fait deux fois que tu renvoies celle-là, mec. On va pas la réécouter trois fois, Mpadaga. Réfléchis un petit peu. Tu l'as déjà envoyée, je l'ai déjà passée. Je vais pas la repasser. Envoie-en une autre. Vous réfléchissez pas, les gars, j'ai l'impression. Un truc de ouf, quoi.
Allez, canette, canette, il m'en a pas envoyé une. C'est la première. Ah, Ramboost. Et ouais, Mpadaga, Mpadaga en voisin une autre. Je l'ai déjà écouté celle-là, je l'ai déjà passé. Bon, mais GG à eux, 11 à GG. GG à eux. Oh putain. D'ailleurs, juste après moi, à 23h, vous allez retrouver normalement avec Kizano. Kizano, et je pense qu'il va encore continuer sur, le DLC de Onslaught, de Ghost, il me semble. Hein. Après, à confirmer, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il continuera sur le DLC. À moins qu'il fasse autre chose. Ce qui est fort possible aussi. Du Infamous, ok, d'accord, donc Kiza sur du Infamous. Alors Infamous, moi je l'avais regardé là sur ton stream d'ailleurs la dernière fois. C'est vrai que ça ressemble grave à du à l'autre jeu là, comment il s'appelle? Oh, j'ai perdu le nom. Prototype, non pas prototype, si? Non. Comment il s'appelait? Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est prototype. F6 les gens. Ah si si, prototype, ouais voilà c'est ça, hein. C'est bien prototype, hein. C'est bien ce qui me semble. Allez c'est parti. Oh, 34 cm, celui-là je l'aurais mis, j'aurais pleuré. Lui aussi encore plus. Oh putain, mais 7 cm, je suis sur lui quoi. J'ai juste la rage. Ah ouais, gros wall jump ce qu'il loue. Ça sert un peu à faire du move. Hein. Je strafe à droite. Je strafe à droite, je prends la raquette. Dommage, GG. Alors... Ah, il envoie un autre lien. Alors, on va voir ce qu'il nous envoie, Mpadaga. Bon, voilà. C'est une autre musique là, du coup, donc c'est bon. Ok, bon, je reste là en fufu, hein, bien sûr. Wow, woman, no cry. Hey, hey, hey. I remember. Oh, oh, oh. C'est que l'intro ou quoi là? Je suis sûr que le gars nous a passé que l'intro. Non? Non, ça va commencer là, non? Quand même. No woman, no. No cry. C'est I remember when we used to say. Fresh down.
Moi je reste là parce qu'on sait jamais qu'il y a un tordu qui fasse des bêtises. Ok, il est où? Oh, ce qu'il me met! Oh, cette chatte! Ah là, tu penses. Franchement, sur mon kill, il a une chatte de ouf! Ramen No Cry! Je t'ai envoyé une musique, Skilou! Ouais, ben ouais, je te la passerai. Juste après, j'ai toilé, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Y'a pas de sushi. Allez, Octopuseos là. Octopuseos. Il a un purée de pseudo, lui. Un sacré pseudo de l'enfer. En même temps, c'est vrai qu'il y a les LCS. Alors, les gens ils se sont dit entre les LCS et Skilou. On va peut-être regarder les LCS. Anything's gonna be alright. Anything's gonna be alright. No woman, no cry. Ah non, c'est pas encore. Ok. GG ça, Getolia. Non, il a carry quoi. GG. Bon alors là, par contre. Va falloir envoyer du steak, c'est ça. Damn, je suis sur lui. Putain, je suis sur lui quoi. Oh, oh, y a l'autre. Allez, mais toi tu m'as saoulé, hein. Tu t'es trop cru hein, à la fête foraine un peu. Vas-y, remonte ta tête. Hein. Putain, je le loupe de 26 cm. Là. Oh là là. Ah, j'ai fait de la merde là sur cette attaque. C'est l'autre qui m'a perturbé. Ils arrêtent pas de rusher là, c'est tard là. Et ça fait que ça en fait. C'est vrai que sur ce jeu, c'est ça qui est stressant quand vous débutez. C'est que tout le monde vous rush en fait en élite quoi. Ça a toujours été ça depuis le début. Donc pour tous les débutants au final, se faire rusher la gueule quand vous savez pas jouer, c'est horrible. Et même quand vous savez jouer, c'est horrible, cherchez pas. Comment donner son corps à la science, comme on dirait, comme dirait l'autre. No woman, no cry. Hey, hey, I remember. En fait, peut-être que sur la TV3 aussi, ils ont l'habitude d'avoir... Non, j'allais être méchant. J'allais être méchant. Je retiens ce que j'ai dit. Ça reste dans ma bouche. Comme on dit, hein, tourner trois fois sa langue dans sa bouche avant de parler, bien sûr.
Les fameux 3 cm et le 1 cm. Ah ouais, ça fait totalement rager. Sur ce jeu, j'avoue que quand on vous affiche 3 cm, 2 cm, 7 cm, vous êtes là, vous faites ah, mais stop, afficher ça! Putain, fais le kill! C'est trop ça, c'est. Vas-y, putain, fais ton kill! Alors, allez où ma souris? J'ai perdu ma souris, on va passer à la musique de Getolia qui le mérite, hein, parce qu'il a carré un petit peu la def là tout à l'heure. Allô? Ok, d'accord. Avec des nanocentimètres, ouais, j'avoue. Heureusement que je suis pas tombé dans le trou. Oh là là. Ah bah oui, ah bah lui il bouge pas. Allez, viens là. Ah, j'adore ça, j'adore les gars quoi. Viens duel un peu là, au lieu de rester sur ta tour quoi. Tipi reste sur sa colline, il bouge pas là. Viens un peu là, porte tes balls. Viens cap là. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que le stream lag un peu. Non, ça devrait aller mieux. J'ai rechargé Avermedia là. L'autre qui dit ce qu'il loue, que je rush ou que je sois là, il rage. Non, quand on rush, moi je rush jamais. Franchement, non. Dans ce jeu, si vous rushez, je rush jamais. Parce que regarde. Enfin, tout à l'heure, j'ai dit viens me rusher. Hein. Il m'a rushé, il m'a déstabilisé, j'ai réussi à le tuer. Mais je préfère qu'il me rush que quand ça campe, quoi. L'attaquant, du moins. Je préfère, tu vois, que l'attaquant. Parce que les défenseurs, quand ils te rushent alors que toi t'es attaquant, oui, ça c'est relou. Mais quand t'es défenseur, j'aime bien quand l'attaquant te rush parce que s'il campe comme ça, tu vois, qu'il attend, qu'il voit un gars sortir, ben voilà, t'as pas fini. Parce que j'aurais pu très bien jouer mon fufu, attendre que le Paul soit capable, je serais resté là, il serait resté sur sa butte et voilà quoi, ça aurait été super la game quoi. Ah, je mets tout à côté! Ah, ben GG, j'ai tout mis à côté. Oh damn, j'ai tout mis à côté quoi. Oh. Ah, c'est tellement dur là pour moi. En même temps, ça fait tellement longtemps. Ah. Oh, je suis déçu. Oh putain, il est dessus, il bouge. La cam, oui, 2 secondes, parce que la cam, je la mets comme je l'enlève quand je fais des choses, c'est-à-dire me gratter le nez ou autre. Donc attendez 2 minutes, je la remets. Vous inquiétez pas.
D'accord, ça marche, pas la gars. La prochaine, ça sera celle de Alex. Et après, celle d'Alex, ça sera la tienne. Bon, il y avait celle aussi de la Kante, mais bon. Après, pas la gars, il va plus en pouvoir. Il va faire ouais, ça fait une demi-heure que j'attends que t'envoies ma musique. Oh, celle-là. Oh là là. Oh j'ai Tolia. Voilà, je me prosterne devant Gétolia et ses requêtes quoi. Oh Bandy. Y'a Bandy. Ah ouais, mais vous écoutez des musiques un peu hardcore les gens quand même. Ça c'est à cause de Proda, hein. Proda il vous a mis son truc dans la tête là, ça y est, vous écoutez que des trucs comme ça maintenant. Faut arrêter ça, hein. Ça dérange un petit peu les neurones ça. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Des festoches j'en ai fait. J'en ai fait. À un moment donné, attention, attention au cerveau. Si vous voulez pas terminer comme moi. Moi j'en avais pas fait des masses, hein, mais... A fait quelques-uns quand même de festoches. Alors il est où le monsieur là? Il est là-haut. Salut à toi. Oh! Ok d'accord. GG mec. Laisse-le monter, au pire. Enfin, moi j'aime pas rusher, hein. Je suis pas bon à la roquette, donc. Donc voilà. Oh, je suis mauvais. Je suis tellement mauvais avec ma roquette quoi, c'est un truc de fou. Il aurait dû la prendre. Il aurait dû la prendre mille fois quoi. T'as de la chance que je sois mauvais avec mes roquettes. Ils ont des casques de Transformers les gars. Ça me fait penser un petit peu au gars qui danse en sautant là comme ça là. Cette musique c'est ça. Les gars ils dansent comme ça, t'sais. Ils sont là comme ça, ils dansent avec les pieds, bon vous voyez pas mes pieds mais. C'est la fête. Voilà. C'est... Voilà. Envoie un suite volant, ouais, j'avoue. Ah, je suis trop près ici, je peux pas faire ce que je veux. J'ai pas assez de recul. Sinon ça aurait été fun. Ok. Ok. Je suis sûr, il y a moyen. Putain, tout à l'heure, j'ai failli y arriver quoi. Attends. Bon, laisse tomber. Ce qu'il loue la drogue, c'est mal, mais je ne me drogue pas. Et ouais. C'est naturel, c'est d'origine, t'as vu? C'est ça le problème. C'est que c'est naturel, c'est d'origine. Alors, désolé à la Kante et à Canette. Je vais me passer celle d'Empadaga, sinon il va déprimer le pauvre. Allez, je suis là. Ah, vous avez pris un petit peu mes pauses. Ah ouais, 8 cm, t'es déçu, hein. Allez, t'es déçu, tu as pris ma roquette.
pas du tout où il est. Garde ses roquettes, on attend, on attend. Et voilà, GG ça. Alors, si vous voulez me parler en privé ou autre, envoyez-moi des messages privés sur, sur Facebook. Ça sera le mieux. Slash Skilou pour Facebook. Ah, il est déçu. Ah, j'ai pris la double. Ah, j'ai pris la grosse double. Oh, oh, mais lui, il a une chatte intersidérale, quoi. Please, Serpeur, quoi. Stop ta chatte, mec. Mec, je rebondis, tu sais. Ah, si vous voulez me parler en privé, envoyez-moi des messages sur, sur Facebook, parce qu'après, sur Skype, c'est pas... je réponds pas, à moins... ça soit pas professionnel, mais voilà quoi. Oh mais putain, mais je suis nul aux roquettes, c'est un truc, mais c'est phénoménal quoi. Bon allez, dans une dizaine de minutes même pas, vous allez retrouver Kizano sur du Infamous PS3 je suppose. Donc voilà, restez accrochés. Je finis ma partie. Donc désolé à KNET et à la Kant qui m'ont encore envoyé des musiques, mais on n'aura pas le temps de les passer. Peut-être pendant la pub. Bon, la partie elle risque d'être un petit peu longue. Alors Kizano, je risque de déborder un petit peu. Pire, je couperai. Je ferai des pubs plus courtes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir hein, par rapport à mes streams, etc. Si voilà, si vous avez des idées, des suggestions pour que je puisse améliorer mes streams, ben, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, @rcskilou sur Twitter, /skilou sur Facebook. Oh, ce flick shot là des os, magnifique. Voilà, ou tout simplement skilou.tv.com. Voilà, vous avez tout qui est rassemblé comme ça. Voilà, vous pouvez m'envoyer des messages, me dire ouais, ça c'était pas mal, moi j'aimerais bien voir ça, ça, ça. Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu des réactions hein, depuis que je suis chez Millennium, de savoir comment vous trouvez mes streams. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à changer, etc. etc. Ça fera plaisir, puis n'hésitez pas, hein, même si vous avez envie de parler ou quoi. Quand je suis despo, des fois, hein, je tape la tchatch, hein. Pas de soucis. Ah oh mais, et lui là, et je suis tellement nul avec mes roquettes que ça me stresse quoi. Ah là là. Allez, celle-là elle est finie, alors attends, je vais pouvoir passer vite fait celle de Canette peut-être. Et pendant la pub je passerai celle de la Cante. On va pas tarder, sinon après Kiza il va pas être content. Il va me taper sur les doigts. Non, je rigole. Oula, oula. Nightcore corpse in my bed. Alors, peut-être faire un vote de temps en temps histoire de voir ce que les viewers veulent voir. Ben après, sur skill ou pas, oui. Sur tranquillou skill ou pardon, ouais. Après sur skill ou pas, pareil, hein, y a pas de souci. Mais après je fais pas forcément des votes parce qu'il faut que je les prépare avant. Donc ça il faut me le dire, ben voilà, sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook ou Twitter. Vous me dites ouais, sur le premier prochain skill ou pas, j'ai envie de voir tel ou tel jeu. Après sur tranquillou skill ou why not. Tout à l'heure y avait une ou deux personnes qui voulaient voir du Shootmania, donc j'ai dit bon ben deuxième heure Shootmania. Donc après, faut être réactif dans le sens où... Oh la chatte qu'il a lui. Faut être réactif dans le sens où tout à l'heure,
pareil, je vous ai demandé en deuxième heure qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez jouer, parce que c'est vrai que généralement sur un tranquillou skilou, la première heure je joue un petit peu tout seul peinard, et la deuxième heure on se fait une game avec vous les viewers. Donc n'hésitez pas, hein, à balancer la première heure, vous me dites ouais, la deuxième heure je voudrais qu'on joue à ça et ça. Là c'était Shootmania. Après pour les secret spots et les skills ou pas, il faut me le demander à l'avance, hein, donc sur les réseaux sociaux. Mais en termes de FPS, parce que je suis un joueur FPS, hein, en termes de FPS j'ai quasiment tout. Et moi je suis surtout, si vous voulez qu'on joue ensemble, voilà, il faut que ça soit du FPS multijoueur bien sûr. Donc voilà, après normalement en FPS multijoueur c'est quasiment tout, hein, donc pas de soucis. Allez, je reste là. Oh, j'arrive pas à l'avoir, hein. J'ai pas le réflexe quoi. Je suis trop fort, mec. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop déborder. Je vais m'arrêter là. Hop là, je coupe mon micro, hein, bien sûr. Alors, merci à tous en tout cas. Merci à ceux qui ont joué avec moi. Voilà, merci, j'étais en train de parler sur le chat du jeu. Voilà, merci à tous, merci à Judelair qui a joué avec moi et autres. Voilà, il y avait du Hip, il y avait du Bandit, il y avait du Dragonic et du Octopus Eos. Et merci à vous sur l'IRC d'être présent, aussi actif. Ça fait grave plaisir d'avoir revu des Mugen, qui sait que j'ai encore des Getolia, des Empadaga, des Magix et tout ça. Donc ça fait super plaisir, merci à tous. Juste après, vous avez donc Kizano sur Infamous jusqu'à 1h ou minuit, je crois. Jusqu'à 1h. Donc voilà, merci à tous. Quant à nous, on se retrouve demain après-midi pour le Secret Spot sur la Xbox One. Je serai accompagné d'un de mes potes, normalement. Il devrait passer. Donc on va voir si, ça se combine, si ça se combine bien ou pas. Mais normalement, il devrait passer demain après-midi. Donc on se fera un petit trip sur la Xbox One avec mon pote demain sur le Secret Spot de 14 à 16. Donc soyez présents aussi. Sur ce, bonne fin de soirée avec Isa. Merci encore. N'hésitez pas, les réseaux sociaux pour m'en dire plus. Et moi je vous dis bonne nuit et à demain. Allez, ciao ciao tout le monde. Ça c'est du bon, ça c'est du bon Lacante. Je t'aime Lacante.